On va écouter le témoignage de la sœur Elodie. Elle s'appelle Zewelu Elodie. Quand elle venait d'Abidjan, sur Divo, elle était sorcière. C'est sa grand-mère, un maternel, qui l'a initiée. Elle a tué l'homme avec ça. Elle a tué son propre papa avec ça. Elle a tué 50 personnes. Elle a gâté la vie des gens. Pourquoi tu es devant moi? Elle dit qu'elle est sorcière. Elle est sorcière comment? Vous parlez parce que j'ai pas assez de temps. Elle est sorcière comment? Ah, vous le nom. Non, il y a Zosa encore. Elle est là. Elle est là. Elle dit qu'elle est sorcière, elle mange. Elle mange quoi? C'est moi qui ai dit que c'est qu'elle mange. Elle mange quoi? Tu manges quoi? Elle mange l'homme. Elle mange l'homme. Oui, papa. Elle dit. Demain, si c'est doux. Demain, si c'est doux. Demain, si c'est doux. Elle dit c'est doux. Dit que vous voulez. Annene, m'a dit manine. Aïe. Elle dit oui. Poulet est doux, et donc ça vient de l'homme, mais c'est doux que vous voulez. Bon, bref, quels sont les gens que tu as gâtés? Il y a un qui est vrai. C'est vrai. Pour le trait, pour le bruit, il y a un peu de bruit. Elle dit qu'elle a gâté mon argent et l'argent de sa maman. Toi? Moi. Je te vois pas là. Parce que là, il faut que je parle bien. Voilà. Qui? Je parle maintenant. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Elodie, non? Elodie. Elodie, qui est pour toi? Il dit rien. Je suis son oncle. Ok. Pourquoi tu as gâté son argent? Mais oui, il y a un boy serait. Waouh. Elle dit on l'a envoyé. Qui? Qui est moi? Ma grand-mère. Grand-mère qui est? Côté papa. Sa grand-mère côté papa. Papa a dit c'est elle est sa femme dans la sorcellerie. Ta grand-sœur là, c'est ta femme. Je comprends pourquoi tu maigris. Elle te fait l'amour seulement tous les jours. Excusez-moi, elle agresse seulement tous les jours. C'est ta femme. Oui, papa. Tu as Kiki. Oui, papa. Aïe. Toi, tu es femme, tu as Kiki. Tu as Kiki comment? Béfi. Je tape mon pied trois fois. Oui. Comment tu fais? Montre comment tu fais. Et puis, ça sort de l'île. C'est ça? Ça sort de l'île. Et ils n'ont pas petit Kiki. Kiki va te tuer. Et ça, les sorciers ont ça. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Mes filles, mes crayons. Hein? Mes filles. Réponds-moi, tu fais pas ça.
Elle se couche avec elle, elle ça. Tu fais l'amour avec elle. Tous les jours, tous les jours. Tu as vu ça là-bas. Et c'est tout ce que tu as fait. Et puis, ma maladie, quand elle est en elle a épousé en sorcellerie. C'est ta femme en sorcellerie. Tu n'es même pas belle, tu es femme, tu vas. Excusez-moi. Pourquoi tu fais ça? Tu dis, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ok. Elle reste là à côté. Parce que je sens. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zéwe Moutina Véronique. Zéwe Moutina Véronique. C'est possible, lui-même. Zéwe Moutina Véronique. Elle habite tout ensemble, chaque nuit. Elle est sur toi. Regarde comment elle est en forme comme ça. Elle boit sang dans son sang là-haut. Elle boit. C'est malheureux. Au lieu de apporter les bonnes choses à votre famille, c'est la destruction. Tu veux être délivré? Ne parle pas de toi d'abord. Je parle avec. Oui, papa. Je parle avec. Son oncle. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il faut dire que tu es élève. Elle est élève. Je suis élève. Touche ta tête comme ça. Voilà. Pendant que tu touches ta tête, je commande à l'échelle. Cet esprit de des ténèbres sur ta vie, je maudis cette présence par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis ce pouvoir des ténèbres et je proclame ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance maintenant. Je commence, je prononce le divorce à partir d'aujourd'hui. Le divorce est prononcé, touche plus à sa vie. Je libère son âme, je libère. Au nom de Jésus, je libère sa destinée. Je libère sa destinée par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Puissance de Dieu, je commande cet esprit de libérer totalement ta vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance. Angèle, touche sa tête. Reçois cette grâce de Dieu. Je la déclare libérée au nom de Jésus. Amen. Amen. Le jour où elle va se tromper pour venir t'embrasser, elle va rendre témoignage. Amen. Amen. Finis de libérer. Amen. Tout de suite, quitte la vie de l'autre maintenant. Là. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Tu vas partir. J'invoque le feu sur toi. Le feu sur toi. Bouillie en elle. C'est un vilain démon qui est comme un bouillie en elle. Voilà. Voilà. Et qui va sortir tout à l'heure. Qui va partir
Voilà, qui va partir d'elle, parce que c'est une reine, comme elle assise sur le trône, la puissance de Dieu, voilà, voilà, sort d'elle. S'approche de part, quitte la vie d'Élodie, quitte sa vie. Va-t'en, va-t'en, allez, va-t'en, va-t'en, voilà, va-t'en, 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 tu pars, tu pars, tu pars, c'est un ordre, tu vas partir, quitte sa vie, quitte sa vie, allez, quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie. Le feu sur toi, quitte sa vie, au nom de Jésus, je brise ce pouvoir, je brise cette résistance par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, maintenant même, au nom de Jésus, maintenant même, au nom de Jésus. Le pasteur Serge, touche un peu ses cheveux, parce que voilà, touche ses cheveux, voilà, comme ça je commande à l'esprit, voilà, lâche, voilà, vous voyez, voilà, l'esprit va se déracer maintenant, c'est fini ça. Parce que l'esprit d'elle allait se loger dans ses cheveux. Voilà. Voilà. Non, c'est là que la Félix, mais t'inquiète. Ce démon, elle va partir maintenant. C'est fini ça. Parce qu'il faisait les va-et-vient. Il faisait les va-et-vient. Voilà. Il sera terrassé tout à l'heure. Voilà. 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 Il faisait les va-et-vient. Voilà. C'est fini pour toi. Et tu quittes sa vie. Voilà. Il quitte sa vie. Voilà. Voilà. Elle est contente, elle se sent très bien. Ceux qui sont encore dans la sorcellerie, aient le courage de quitter dans la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. Elle est très contente de Dieu, puisque c'est par Dieu qu'elle a été délivrée. Elle remercie le prophète Joël Crasso. Elle la remercie vivement. Oui, c'est ça la particularité de ce ministère. Le dévoilement et la destruction des œuvres de la sorcellerie. Ce n'est pas le prophète qui allait la chercher. C'est elle-même, son papa, qui est venu avec elle. Et c'est ici que cela a été révélé, qu'elle était sorcière. Et par la grâce de Dieu, elle a été délivrée de cet esprit. Nous disons, nous rendons gloire au Seigneur et nous bénissons le nom de Dieu. Nous disons merci au Seigneur de continuer d'opérer au travers de son serviteur. Alors c'était le témoignage de notre sœur Élodie. Shalom à vous.